Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les nouveaux spots qui ont été installés sur scène. Donc à partir de ces deux tableaux de bord. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est allumer l'alimentation qui se trouve ici, sur le bouton, qui allume cet interrupteur, enfin cette rallonge multiprise et qui est reliée aux deux tableaux de bord. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'écrit hein, sur les panneaux parce que ces deux tableaux de bord sont connectés à l'ordinateur qu'il faut donc allumer. Alors, vous appuyez sur le bouton Power. Voilà. Et vous appuyez sur... Alors là, le mot de passe, c'est Xavier en minuscule. Enter. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre bureau ouvert, vous allez cliquer sur l'icône qui s'appelle Neo, qui est le logiciel ici de gestion de la lumière. Donc je l'ouvre. Et vous tombez sur cet affichage. Alors pour l'instant, il n'est pas utile d'utiliser ou de toucher au bouton, nous allons utiliser essentiellement les deux commandes qui sont là. Alors, une fois que le logiciel a été lancé, vous voyez apparaître sur les cadrans des numéros, hein, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, etc. jusqu'à 10. Alors, la ligne du haut correspond ici à ces boutons et la ligne du bas de 11 à 20 à ces 10 boutons du bas. Voilà. Alors la première chose, c'est de régler ici les deux tableaux de bord. Pour le tableau de droite, donc vérifiez bien que vous avez ici 20 lignes de commande, donc 1 à 10, 11 à 20. Et pour l'autre tableau de bord, il faut réajuster. Donc vous voyez que c'est une répétition 1 à 10, 11 et de 1 à 10. Donc vous allez monter sur Page Up, voilà, qui à droite, qui augmente les numéros. Voilà. Et donc j'ai augmenté de 31 à 40. Et ici, 21 à 30. Donc, nous avons bien 40 boutons qui correspondent chacun à un numéro précis. Hein. Alors, il faut s'assurer avant de commencer que ici la commande numéro 40 soit en haut, hein, puisque c'est la commande générale pour toutes les lumières. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vous ai fait un plan des lumières qui donc correspondent à peu près au tableau de bord. Donc, il y a quatre grands niveaux. Vous avez niveau A, B, C qui correspondent ici. Niveau A, ce sont cette ligne de touche. Niveau B, cette ligne de touche. Niveau C, cette ligne de touche qu'on trouve là, et le niveau D, les spéciales combos, ici, hein, de la ligne, donc 31 à 40. Alors, prenons d'abord la ligne A, qui se trouve ici. Donc, si
vous appuyez alors soit sur le bouton flash qui permet de faire apparaître quand vous pressez le bouton la lumière, ou vous pouvez utiliser le glisseur ici pour régler son intensité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été programmé? Eh bien, les trois spots du milieu, 1, numéro 1, 2, 3, donc ont été programmés en appuyant sur le bouton 1. Alors, je fais la même chose pour le bouton 2. Le bouton 2, ça va être les trois spots du fond qui vont s'allumer en rouge. Bouton 2. Donc vous l'avez ici, c'est intitulé Red Back. Vous avez les trois red lumières rouges au fond, du fond allumées. Voilà. Et c'est la même chose pour le reste. Hein. À chaque fois, c'est intitulé Green Front, Green Back, Blue Front, Blue Back, Purple Front, Purple Back, White Front, White Back. Vous pouvez également donc combiner les différentes couleurs. Voilà. Créer des ambiances particulières. Et si vous voulez éteindre le tout en une seule fois, alors vous pouvez soit éteindre les boutons un par un, ou vous pouvez éteindre le tout ici par la générale. Voilà. Et tout est éteint. Je glisse. Ensuite, sur la ligne B. Ligne B, c'est les projecteurs qui sont situés au-dessus de la scène. Cela. Donc, pour chaque bouton correspond donc un spot. Donc le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, qu'on retrouve ici. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Donc je vais les allumer un par un. Il faut s'assurer que ici le bouton 40 est bien en haut. Donc je les allume un par un, de gauche à droite. Là, tout est allumé, comme vous pouvez le voir. Et j'éteins le tout avec la commande générale ici. Alors, vous pouvez évidemment faire des combinaisons, hein. Par exemple, vous n'allumez que les lampes découpe ici, ou Lucie, par exemple. Voilà. Vous verrez les combinaisons. Ensuite, nous avons la ligne C. Donc la ligne C correspond aux touches 21 à 30. Et donc 21, 22, 23, 24, 25 correspond à une seule lampe. Donc 21. Voilà. 22, 23 et 24, 25. Et les autres, donc les commandes 26 allument simultanément les 6 LED que vous avez ici dans une couleur particulière. Par exemple, le 26, 26, LED par RED. Donc, toutes les LED sont allumé en rouge. Pour le 27, les 6 LED seront allumés en vert, 28 en bleu, 29 en jaune et 30 en violet. Par exemple, ici, 30, marqué LED par... Pardon, non, c'est pas en violet, c'est en blanc.
Et enfin, pour la ligne D, vous avez les spéciales combos, c'est-à-dire plusieurs lampes qui sont combinées ici. Donc c'est ici la ligne de D qui va de 31 à 40. Alors pour cette ligne, vous avez des combinaisons. Par exemple, 31, 32, 33, 34 correspondent aux 6 lampes qui sont regroupées aux 6 LED moving dans une couleur particulière. Par exemple, 31, c'est en rouge. 31 ici. Voilà. 32, 33, 34. Et vous pouvez combiner à volonté les couleurs. Pour la ligne donc 35, c'est un combo de 3 lampes Gobos, 14, 17 et 247. Vous l'avez ici, la ligne 35. Donc, ce qui donne ceci. Et plus on va vers le 40, plus les combinaisons sont donc augmentent avec beaucoup de plus de spots qui sont regroupés. Hein. Donc, prenons l'exemple du par exemple All the halogène en stage. Donc, ça va correspondre à 6 spots. 38, vous l'avez ici. Le 38. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. Hein, vous pouvez faire beaucoup d'effets, hein, de possibilités avec ça. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai programmé sur le logiciel des positions particulière. Hein. Vous allez dans donc position. Vous cliquez par exemple sur. On va faire prendre par exemple 6 white circles. Donc vous avez 6 cercles blancs, hein, sur scène. Alors, pensez toujours à, avant de renouveler, à faire release, release all, all control. Voilà. On va essayer 3 moving LED in one center light, white. Donc vous avez 3 spots centré sur le même point ici. Vous voulez à présent, alors, faire release, faire des effets particuliers. J'ai pris, j'ai programmé une autre option. Le contrôle. Vous allez ici et il y a une deuxième série de modes préprogrammés, c'est ambiance. Ambiance, par exemple, disco. Ou ambiance éclair. Vous l'arrêtez tout. Stop. Alors, j'expliquerai dans une autre vidéo comment programmer votre spectacle avec des en créant une playlist d'effets. Alors, si vous voulez maintenant sortir et éteindre tout, vous allez, n'oubliez pas de faire release, release all control. Voilà. Vous allez dans options en bas. Et shutdown. Yes. Donc vous quittez le logiciel. Voilà. Et
Vous fermez l'ordinateur. Arrêtez. Cela va aussi fermer l'affichage des tableaux de bord. Et vous pouvez terminer le tout en cliquant sur l'alimentation ici.